Salut YouTube, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est une rediffusion de mon live. Si tu souhaites participer au prochain, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, lien en description. Allez, bonne vidéo! Alors, dans le précédent épisode, on s'était amusé à mettre un satellite en orbite autour de Kerbin, donc le fameux ici qui m'aura donné beaucoup de fil à retordre. Je pense que le mieux à faire pour la suite de ce let's play, ce sera un satellite qui me sera très utile à mon avis. C'est celui autour de la Poapsis ici, enfin le... celui autour de Kerbin ici. Puisqu'il me fera un relais entre celui-ci et avec Minus, enfin Minmus. Le problème que je vois ici, c'est qu'il tourne dans ce sens-là. Donc il va falloir que je me mette à contre... dans l'autre sens de Kerbin, contre la rotation. Et donc je risque de griller beaucoup de carburant. Ce faisant, on avait 885 de science le précédent épisode. Et ce que j'aimerais bien aller chercher, moi, c'est ça. Et ça aussi. Donc, pour commencer, ça. Et donc, pour ça, il me faut l'Advanced Fuel. Ça, c'est fait. Il me faut l'Ivier, je crois. Ivier, c'est ça. Ça m'intéressait pas tout de suite. Alors, Nuclear Propulsion, c'est bon. Et alors là, est-ce que je prends ça ou pas? Non, pour l'instant ça m'intéresse pas. Il me reste 260 de science. Ça peut-être pas tout de suite. Je pense pas qu'on va partir là-dessus pour le moment. Il y a un truc que je voulais aller chercher en bas. C'est trop cher. Ah, c'est trop cher. Par contre, il y a ça. Si ça, je voulais aller le chercher. Il me reste 100. Ici, ça me concerne pas direct. Enfin, ça m'intéresse pas directement. Loading, peut-être un peu plus tard. Recycling, non. Ça nous sera peut-être utile plus tard quand on voudra amunir. On va partir là-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la fusée qu'on avait fait la dernière fois. Enfin, la sonde en tout cas. Et on va remodifier tout la suite. Alors, si je l'ai... c'est celle-ci. Alors, ce qu'on a vu, c'est... bon, déjà, on va retirer tout ça. Avec les découpeurs aussi. Ce qu'on a vu, c'est qu'on n'avait pas besoin d'autant. On peut en mettre que 3. Ok, 3, ça va suffire largement. Je garde le port au-dessus si jamais je veux connecter un truc. Ça, c'est bon. Alors, on a récupéré un module de science. Celui-ci. J'arrive juste à trouver une position à peu près correcte. Position qui me plaise un minimum. Comme ça c'est bon. C'est le seul module de science que j'ai récupéré, je crois. Ça aussi. Limite, j'aimerais bien mettre ça en dessous. Si je peux le connecter. Ok, ça se connecte pas. Je suppose que ça doit se connecter avec les trucs pour une station spatiale. C'est pas grave, ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est utiliser ces super réacteurs à nucléaire. Qui sont poussés au liquid fuel. Donc quelle taille ils font? Dans cette taille là, je peux augmenter la taille si je veux. Ok. Qu'est-ce que j'ai en liquid fuel?
Ça c'est peut-être un peu gros. Ça. Là, on va mettre 3 découpleurs, enfin 4 découpleurs. 4 radiales découpleurs. Dessus, on va placer ça. Le moteur nucléaire, il est un peu plus grand. Scale, donc on va les augmenter. On va mettre les réacteurs nucléaires en dessous. Là-dedans, je veux uniquement du liquid fuel. Ça tourne à quoi? À l'hydrogène, il tourne. Donc si je mets de l'hydrogène, la poussée, ça fonctionne. Par contre, il a un TWR très faible. Même dans le vacuum, ok. Donc c'est peut-être pas la solution. Ils ont seulement 145. Je vais juste vite fait aller revérifier. Je vais juste aller revérifier ce que ça donne comme réservoir en plus. En fait, je veux pas faire de bêtises, j'aimerais bien le lancer correctement. Je me demande si on va pas être bloqué parce qu'on n'a pas le nuclear power là. Oups. Je vais juste revérifier un petit peu et si jamais c'est pas bon, on reprendra la même fusée que avant. Enfin que le dernier épisode et on la relancera. Parce que lui pour fonctionner. Donc avec l'hydrogène, il y a combien? Il fonctionne mieux avec l'hydrogène. On n'a pas. Ça, je suis pas vraiment sûr que ce soit utile en fait. Bon, je pense qu'on va partir sur le précédent. Là, il dit que tout ça c'était inutile. On n'avait pas besoin d'autant. Non, on va laisser ça, ça devrait suffire. Tout ça, c'est bon. On rajoute juste un nouveau truc à poussière spatiale.
J'ai l'impression que tant que j'ai pas l'énergie nucléaire, donc les réservoirs uranium et tout ça, je pourrais pas utiliser le plein potentiel de mon réacteur. J'aimerais bien aller jusqu'au soleil. Ok, donc là on est bon. RCS, j'ai pas besoin. Tout ça, c'est bon. Pousse. Bon, c'est là. Donc là, il faut que je pousse vers la gauche. Je crois que c'est la position qui coûte le plus de carburant, celle-là. Ce qui est positif, c'est que j'ai pas besoin de trop me soucier de l'angle. Enfin, l'angle, ça va, parce que de toute façon, c'était une position équatoriale, si je dis pas de bêtises. J'ai juste besoin de me soucier de pousser le plus fort possible, et puis de rentrer en orbite. Après, j'augmente l'orbite jusqu'à la bonne position, et c'est fini. Rien de trop compliqué si je pars droit. J'arrive à court de carburant, peut-être un peu tôt, mais ça devrait le faire. Ok. Je me demande si c'est pas, s'il n'y avait pas une possibilité d'utiliser la Moon comme une catapulte, de partir sur la Moon, de repartir et de faire un 8. Mais j'ai un doute, je pense qu'à partir du moment où je vais pousser, je vais directement reprendre l'orbite dans le bon sens. Donc pas celui que je veux. J'ai encore combien? Encore 75 secondes de poussée. Là, il y a des trucs à récupérer. Au niveau de l'électricité, on est comment? On est un peu limite, mais on peut encore envoyer des choses. Je pense qu'on va faire d'abord un petit tour de Kerbin, et après on va repartir direction l'orbite que je cherche. Avec une orbite basse, pour le moment, je pense qu'on peut déjà aller chercher un peu de science. Très loin que ça. On peut l'envoyer à la limite. Il n'y a rien à faire. Ok, on pousse.
encore un peu. Ok, on est bon. Là par contre je vois rien. Là, ce que je cherche c'est... Je vois mieux sur le retour. Si j'arrivais à les ouvrir, ce serait cool. Je me suis fait avoir. Oh le nul. Aïe, aïe, il faut que je garde l'électricité, j'ai oublié que je suis une sonde. Les sondes sans électricité, je peux plus rien faire, je peux même plus activer les moteurs. Ok, c'est retour en orbite. J'utilise... En vrai, j'utilise tellement de choses. Pour faire simple, tout ce qui était possible d'ajouter avec la version du jeu, je l'ai ajouté. Ah, par contre, que je fasse pas de bêtises, faut que je mette les panneaux solaires. Ouais, panneaux photovoltaïques, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Ok, maintenant on va faire un petit tour. Autour de Kerbin. On va récupérer toute la science qu'on peut. Donc ça c'est bon. Altimètre, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose à aller chercher. Caméra, non. On va garder. Ok, là ici, j'ai des choses. Et là, je pense que j'aurai rien dessus. J'ai rien dessus. Là, on est bon. Maintenant, mon apoapsis et mon périapsis sont là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, bon, on va dire ici, par exemple. On va juste warper jusque là. Et puis on va accélérer. Il y a plein de sens que j'ai loupé là. Je suis pas sûr d'avoir assez de puissance. Bon, si j'ai pas assez, c'est pas grave, je me mettrai. Si j'ai pas assez, c'est pas grave, je resterai ici et puis j'en relancerai un.
Juste le calmer celui-là. Ok. Ok, là j'ai 5 secondes de poussée pour y arriver. Il y a peut-être moyen que je le passe. Ça va être tendu niveau carburant, mais ça devrait le faire. J'ai eu. Non. Ok, là on n'est pas trop mal. Se passer, c'est à dire je peux commencer à pousser 10 secondes avant, on va le faire. On va activer quand même le RCS juste pour m'aider un peu. Niveau du à peu près bon, j'active le RCS. Je suis à peu près bon. On warp là. Là, on va se remettre en prograde. On va repousser pour augmenter le périapsis. Alors, juste que je sache à combien je dois me mettre. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. Alors je dois me mettre à combien? À 27 000. Enfin, 27 millions. Ok, donc on va pousser pour se mettre à 27 millions. Normalement je suis à peu près à 27. Bon, on y essaie que ça a compté. Ok, nickel, c'est validé. Cette mission-là, elle est bonne. Je vais pouvoir découper le tout. Voilà, je suis découplé. Pas eu le temps de transmettre la science. Ok, transmets-le-moi. Et tout ça, c'est validé. Imagining, c'est laquelle? C'est la caméra. Je vais placer où cette caméra? C'est celle-ci. Ok, c'est transmis. Historique gauche, je suppose qu'on n'aura rien. Rien à aller chercher. On va essayer de faire un petit tour. Tant qu'on y est, on va faire un petit tour de carbine.
Récupérer le maximum de science possible. Bon, je vais pas refaire 15 fois le tour. On va rester là-dessus pour l'instant. La sonde, on va la laisser là. On va retourner au centre. C'est validé. Normalement, je devrais avoir assez de science pour pouvoir débloquer le propulseur, enfin les réservoirs nucléaires. Donc, on va s'occuper de ça. Ouais, j'ai assez. Donc, les nuclear power. Et la suite, tu vas avoir besoin du niveau au-dessus de la soupe de science. Ça, on verra plus tard. J'ai pas envie de dépenser trop de points maintenant. Donc ces débris là, on n'en a pas besoin. Ok, et au niveau de la couverture, on n'est pas trop mal. Maintenant, j'ai la sonde à mettre autour de Minmus. Là, par contre, question, c'est dans quel sens elle doit tourner cette sonde. On va en profiter pour vérifier ça. Alors, la sonde, elle doit tourner dans quel sens? Je me rends pas compte si c'est un sens facile à avoir ou pas celui-là. Ça voudrait dire qu'il faut que je tape Minmus par le dessus et qu'ensuite j'enroule. Il y a quelque chose à faire. Il y a sérieusement quelque chose à faire là-dessus. Si je pouvais avoir les tanks nucléaires, ça me permettrait d'aller plus loin. On va retirer ça. On garde la même base, mais par contre, je vais vouloir positionner. C'est pas cela que je voulais, c'était ça. Ok, maintenant il me faut les réservoirs nucléaires, c'est lesquels? Je peux faire la recherche ou pas? Nuclear, ok. Xénon gaz. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose qui tourne en boucle. Je suppose que si je place ça là comme ça, ils ne fonctionneront pas. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut transporter l'uranium, ça c'est la question. Pas certain de pouvoir l'utiliser.
Que j'ai ça, c'est bien gentil. Je lui dis ça. Je suppose que ça fonctionne pas comme ça. Comment je récupère de l'uranium? Je pense que je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Ici j'ai appareil à poussière. Par contre, si j'en place 4. C'est déjà ce que j'avais 4. Si j'en place 6. Beaucoup plus de poussée, hein. Ouais, je gagne pas grand chose dans le vide. Alors, mais est-ce que j'ai pas mieux que les réacteurs que je viens de positionner derrière? C'est quoi ce que j'ai mis? C'est ceci. 247, 260. Là, je suis à 4128.
Donc c'est dans le vide. Donc je suis à 3922. Si j'enlève ça et qu'à la place je mets cela. Je sais pas beaucoup mieux. Pas 1920. Non. On pourrait pas avoir mieux alors que cela. Par contre, j'ai peut-être la possibilité de me rajouter un plus gros étage en dessous et de pas partir avec un booster. J'ai quelque chose pour agrandir. Où est-ce que ça peut se trouver ça? Peut-être là-dedans. Enfin, plutôt ici alors. Adaptateur, c'est pas ça que je cherche. Ça. Ça, ok. Et ensuite, je veux mettre du gros réservoir. Ça, c'est quoi? C'est uniquement fuel. Et là j'ai du gros. Et en dessous, on va placer. Ça, c'est trop gros. Ça. C'est un peu mieux. Mais si on enlève ça et que ceux-là, on les agrandit encore un peu. C'est pas très esthétique. Putain, on dégage, ça en dégage. On dégage. La même chose, mais cela, on augmente de taille. Ça aussi, ça aussi. Ok, donc là c'est plus gros. J'ai quand même gagné un peu de poussée en plus. En dessous, je rajoute un gros découpleur. Est-ce que je peux replacer la grosse que j'utilisais là? Et ça, est-ce que je peux augmenter la taille? Je peux augmenter la taille. Bah voilà! C'est pas si compliqué que ça. En fait, je peux limite charger celui-là. Tout ça, j'augmente. Ça, j'augmente. Ça, ça. Bon, le prix augmente avec aussi, mais... Ça on referme. Mais on est bon. Comment gagner de la puissance sans rien faire? Allez hop, c'est relancé. Ok, ça pâte à couper. Attention. Ok, on coupe. Mon orbite, elle donne quoi?
une orbite un peu excentrée. Ce que je veux faire par contre là, ça va être patienter que Minmus passe de l'autre côté. J'aimerais l'avoir là-bas. Ok, et là normalement si je me place bien... Ok, là normalement j'atteins un Minmus et en plus je passe pile poil où je veux. Je passe au-dessus. C'est parfait. Mais par contre, il va falloir que je pousse comme un sourd sur. Il va falloir que je pousse complètement là sur la trajectoire. Peut-être même que je coupe avant. On va économiser un peu de monoproplan. Et là on s'apprête à pousser. Ok, on commence. Dès que j'ai une trajectoire qui me satisfait, je coupe. Et ça se rapproche. Par contre, je l'ai pas si je reste ici. Donc, je remette un petit coup. Et là, par contre, je pense que j'éjecterai pas le module derrière. Je garderai le carburant. Comme ça, si besoin, si je dois repartir avec une fusée que j'aurais placée là-bas, je prévoirai un dock pour pouvoir me placer dessus. Contact. Je fais une sauvegarde rapide et on va s'avancer un peu. C'est ça que je veux, c'est ça. Donc là j'ai une portion très petite. Je dois surtout pas louper. Manœuvre.
Focus view. Ok, je risque de passer là au-dessus. Que je veux, moi, c'est... de descendre. Ça marche pas. J'ajoute une manœuvre ici. Je ralentis. Décale, je ralentis. Décale, ça sert à rien. Et là, j'arrive à cette avec cette trajectoire là. Si dès maintenant je freine, part en vrille. Donc là, je rentre en collision si je fais ça. Je fais ça, j'arrive peut-être avec une trajectoire pas trop mauvaise. Et on va essayer de l'atteindre. Ok, là j'arrive à sur quoi comme trajectoire là? Ok, là la fenêtre elle est assez petite, mais je devrais pouvoir la voir. Par contre, j'arrive pas du tout dans le sens que je voulais. Et ça, c'est problématique. Par contre, dans quel sens faut que ça tourne? Dans ce sens-là, et moi je tourne dans ce sens-là. Donc c'est peut-être pas si compliqué que ça, j'ai peut-être une chance de le récupérer.
Ok, si j'ai ça, on est où? On a une orbite autour. Ok. C'est pas la meilleure orbite, mais ce sera mieux que rien. Ok, maintenant. J'aimerais bien réduire légèrement le cercle. Et donc ça pousse énormément. On va diminuer tous les réacteurs à 5. Comme ça, je devrais pas pousser trop fort. Alors maintenant, ce que je veux, c'est à l'apoapsis ici, je veux qu'on puisse. Alors je veux décélérer. Moins nul. Déjà, si j'arrive à atteindre ça, ce serait déjà pas mal. Après, je remettrai un autre coup pour pouvoir stabiliser. On y est presque. Ok, on y est. On a déjà réussi à redresser. Maintenant, j'aimerais redresser encore. J'aimerais bien redresser ici. À cette batterie là, côté-ci, redresser, monte encore un peu, je redresse encore légèrement de ce côté-là. Avec cette trajectoire, à mon avis, on devrait être pas mal. Après, il n'y aura plus qu'à jouer avec l'apoapsis, le périapsis, et on sera bon. Alors, on va se placer sur celui-ci. Par contre, on va attendre un peu, j'ai pas trop confiance. On va attendre un peu, j'ai pas envie de pousser trop tôt. Au niveau du gaz, on est encore bon. À 20, on va commencer à pousser. Ok, on se tient prêt. Hello, pour en arriver où? À ce que je suis en train de faire là? Là, on doit être à 5-6 heures, je suppose. Non, un peu plus. On est à 4 lives, 4, 3, une quinzaine d'heures, à peu près. Être dans ces eaux-là. Alors, je sais pas que je loupe. Ok. Après, avec tous les modes, ça change tellement le gameplay que c'est compliqué de te donner vraiment l'idée, quoi.
Ok, on va se passer là. Et c'est surtout que j'aimerais bien ne pas le louper celui-là. Est-ce que je peux commencer à pousser tout de suite? Ok, on va faire comme ça. Ok, tu connais le jeu avant ou... Ou quoi? Ou From Scratch? Bah écoute, le jeu, je l'ai découvert. Alors comment j'ai découvert ça? Je sais plus, c'était un youtubeur qui avait fait une vidéo là il y a quelques années. Alors est-ce que c'était JDG ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Là tu me poserais une colle, je saurais pas forcément te dire. Mais après, enfin, je le connaissais parce qu'il est quand même connu comme jeu. Mais j'avais jamais trop poussé le truc et puis je m'y suis mis il y a quelques mois. Et puis au final ça s'est bien passé donc j'ai décidé de jouer dessus en live. Et je me suis... Le problème c'est que je commençais à m'ennuyer sur le jeu. J'ai largement pas fait tous les objectifs mais j'arrivais sur la fin des recherches. J'avais plus grand chose, plus trop d'objectifs à faire et puis... Entre temps là j'ai décidé d'installer plein de mods et puis ça change réellement... Ça change réellement le gameplay. Enfin. Globalement, l'ensemble des mods qui étaient possibles sur la version, je les ai installés quoi. Alors maintenant, par contre, je décale ça ici. Et là, je devrais être pas trop mal. Ah, y a de rien, y a pas de soucis. Là, j'ai plein, comme dit, j'ai énormément de modes dessus. Et je suis content, j'avais des soucis sur les précédents lives, j'avais des lags et autres, et j'avais des crashs. Là, j'ai l'impression que c'est réglé. J'ai pas eu de drop depuis le début, je suis très content. Là, en gros, le but, c'est de mettre une sonde en orbite autour de Minmus. Donc, au demeurant, pas extrêmement dur. Et puis là, ça se passe bien, mais le début du live, c'est pas si bien passé que ça. J'ai enchaîné fail sur fail avec... ça s'est joué, je crois, 4 secondes de carburant, la réussite. C'était la mise en orbite autour de Kerbin, mais tu sais, le truc, il passe par pôle nord, pôle sud. Celui-là, il est assez compliqué à avoir. Pardon, je vais le louper là. Ah. Que je me suis pas trop... Non, ça va encore. Ok, on est pas trop mal. On est même bien. Juste avant de mettre un warp, on va... Juste placer une manœuvre. Comme ça. Et je pense qu'avec cette manœuvre là, ça devrait se finir. À mon avis là, ça valide. Niveau du gaz, j'en suis où? J'ai encore la moitié, ça se fait large. Je suis censé utiliser une seconde de poussée. Laisse-moi juste 3 secondes, je finis ça, je lis ton message. J'ai attaqué le jeu hier, j'avais déjà tenté une première expérience il y a quelques années, mais je trouve que ça manque un chouille d'accompagnement dans la carrière, j'ai un peu zappé les tutos. Ouais. C'est vrai que si tu connais pas trop le jeu, c'est un peu compliqué. Après, moi, je t'avoue que... En fait, j'ai regardé quelques vidéos, juste suffisamment pour savoir comment se passait le jeu. Et après le reste, sinon, ça vient assez vite. Le
plus important à comprendre, je pense. Enfin, je vais juste pas louper ma fenêtre là, je te dis ça. Hop. Le plus important pour moi, à mon avis, sur le jeu, c'est de savoir maîtriser les manœuvres, de comprendre la partie en dessous manœuvre pour les orbites. Donc si tu sais utiliser ça, si tu sais utiliser les différentes commandes et à quel endroit pousser pour faire quoi, après le jeu il est beaucoup plus simple. Alors, par exemple là tu vois je suis un peu trop bas pour le périapsis. Donc je sais que vu que je me suis placé à l'apoapsis, il va falloir que j'accélère légèrement pour pouvoir augmenter ici. Et aussi de ne pas utiliser le plein gaz. Après, t'as besoin de quoi comme touche? T'as besoin de Shift, Ctrl, WX et puis après le pavé numérique, quoi. Enfin, le WASD. Ok, alors là, pourquoi ça valide pas? Est-ce que je tourne dans le bon sens? Ah non, rassure-moi. Ah non. Ok, donc ça c'est un fail. Donc pour valider le truc, il fallait que je tourne dans l'autre sens. Ça fait deux fois que ça me le fait ça. Ok, est-ce que ça valide ou est-ce que ça valide pas? Ça valide. C'est bon. Donc l'objectif il est fini, maintenant. On va faire tout ce qui est récupération de science. Par contre il faut que je réactive le warping. Du coup il faut que j'attrape le thermomètre. Il arrive à le retrouver. On verra après quand je serai sur une phase exposée. Non, dans cette mission, je reviens pas sur Kerbin. En fait, le but, c'est uniquement de se mettre en orbite avec le satellite autour. Et puis, vu que je suis en orbite, j'en profite pour envoyer un maximum de science pour pouvoir acheter des trucs après. Là, ça sert à rien. On transmet. Voilà. Je crois qu'il me manque encore une zone que j'ai pas eue. Voilà, celle-là. Ok, et après ça, j'ai tout. Donc ce satellite-là, il va rester dans l'espace. Ok, c'est bon, j'ai tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les différents satellites, ils sont en contact. Attends, si j'accélère un peu. J'arrive pas en contact avec celui-là. Oh, c'est bizarre celui-là qui me... Pourquoi il me compte pas le chemin? Il existe une map des biomes in-game. Sur le jeu, pas ma connaissance. Par contre, ça existe dans le wiki, ouais. Là, j'ai de l'électricité, c'est bon. Ils sont juste pas assez proches, en fait. Alors, en fait, les satellites, ils sont reliés. Ils font un maillage. Bon, alors ça, c'est bon. On va pouvoir valider ça. Ok, 1941 de science, et donc je verrai où on en est. Donc on verra pour le prochain épisode, le but ce sera sûrement d'aller autour de Kerbol. Allez, merci pour avoir regardé cette vidéo.
À la prochaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des impressions en commentaire et à t'abonner. Si tu souhaites participer en live, je stream tous les samedis à 20h sur Twitch, lien en description. Allez, à la prochaine !